Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va s'ouvrir la goodie box du mois de mars. Donc, je suis ravie de l'unboxer avec vous. C'est une goodie box, cette première goodie box pour la France, du moins. Donc, voilà. Donc, goodie box, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une box danoise, donc qui vient du Danemark. Hein, c'est ça que ça veut dire. Qui vient d'arriver pour le mois de mars sur le marché français. Donc, c'est la première box pour le marché français. Donc, voilà. Donc, c'est une box mensuelle que vous payez 19,95 €. Il me semble que j'ai pas vu d'autres abonnements, soit de 3 mois ou soit de 12 mois. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, vous la payez 19,95 €, mais il y avait une offre de lancement, vu que c'est la première fois qu'on va la recevoir en France, qui était à 9,95 €. Donc voilà, moi je l'ai vu à ce prix-là, mais les autres mois je paierai 19,95 €. La livraison est comprise, donc est gratuite. Il y a 5 à 7 produits à l'intérieur. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire en plus? Donc oui, il y a 5 à 7 produits à l'intérieur et il y a toujours au moins 2 produits full size dedans, donc ça c'est cool. Et donc vous la payez 19,95 €. Il y a des produits et la valeur produit est supérieure à 70 €, donc c'est bien. C'est un bon qualité-prix, donc voilà. Les box sont faits en matériaux recyclés, donc c'est très très bien ça. Et voilà. Et là, pour la box de mars, donc elle se présente comme ceci, elle est toute violette, elle est trop trop belle. Et le carton est de qualité, hein. Je veux dire, c'est bien lourd et tout ça. Donc on voit que c'est de qualité, franchement, bravo. Donc je la paye, donc je l'ai payé 9,95 € et il y a une valeur dedans de 127 €. Donc voilà, on va voir ça tout de suite. Mais voilà, donc c'est très sobre, hein, toute violette comme ça avec juste marqué Goodie Box ici. Sinon le reste est tout que violet, quoi. Donc moi ça me va très bien, il n'y a pas besoin de fioritures supplémentaires. Elle est très très bien et elle est très très lourde, hein, surtout. Avant de commencer, je voulais vous dire, elle est arrivée dans un carton comme ça. Alors, mater l'épaisseur du carton, c'était pas très très épais, mais la box rentrait pile poil dans le carton, donc il n'y avait pas de risque que ça bouge, quoi. Donc après, voilà, c'est un petit détail supplémentaire. Donc voilà, et est-ce que je vous ai tout dit par rapport à ça? Oui, je crois. Oui, alors on va prendre, je crois que c'est un magazine, donc c'est une box. Celle du mois de mars qui s'ouvre en tiroir. Je sais pas si toutes les autres box vont comme ça ou pas, mais bon, celle-ci s'ouvre en tiroir comme ça. Elle est trop belle. Franchement, cette couleur violette là, c'est trop trop beau. Ensuite, on a donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, on a un petit livret comme ça qu'on va voir ensemble. Donc voilà, il se présente comme ceci à l'intérieur. Voilà, donc là, on a un édito, je pense. Et là, ça doit être le QR code, ouais, pour le magazine. Donc voilà. Alors, je vais vous lire, donc le thème c'est The Spring Fling Box, donc le flirt de printemps, donc voilà le thème, c'est trop mignon comme thème, en plus tout est raccord, hein, tout est violet et tout, franchement chapeau. Alors, The Spring Fling Box, donc c'est officiel, le printemps est là, tout commence à s'épanouir lentement, le soleil embrasse nos joues avec un peu plus de chaleur et nous commençons à sortir davantage, c'est vrai qu'il commence à faire hyper beau et tout, ça fait trop plaisir. Il n'y a pas de meilleur moment pour flirter un peu et se lancer dans une petite aventure de printemps. Alors pourquoi ne pas utiliser une partie de cette énergie florissante pour vous séduire? Après tout, une aventure est une courte période de temps passée à faire des choses agréables et passionnantes. Cela ressemble à un merveilleux moment pour nous. Alors plongez dans cette box violette magique remplie de goodies, déballez-la lentement, allumez peut-être une bougie, préparez-vous une tasse de tisane et installez-vous confortablement avant de commencer. Vous savez ce que vous aimez, alors utilisez-la pour flirter avec cette personne incroyable que vous voyez dans le miroir, vous. Avec tout notre amour, l'équipe Goodie Box. C'est très mignon. Là, vous avez leurs petits réseaux sociaux. Donc, il y a Facebook, Insta. Donc, voilà, hop. Et là, c'est le magazine. Donc, je vais scanner tout de suite. Alors, si j'y arrive, parce que c'est pas mon téléphone et c'est un peu galère. Moi, il y a iPhone, ça fait 3 ou 4, moins 5 même. Donc voilà, j'ai réussi. Est-ce que ça marche? Le temps que ça arrive, on a le temps de. Ah, ça y est. Alors, vas-y. Voilà. Donc, ok. J'ai. Ah, donc voilà. Donc tout est raccord, comme je vous disais. Vous voyez, même la première page du petit magazine virtuel là, il est tout violet et tout. Donc voilà, on va commencer. Écoutez, voilà. Donc là, on a de nouveau l'édito. Donc c'est parti. Donc voilà pour le petit fascicule. Tout est raccord. Donc
c'est cool. Ensuite, on a un papier de soie comme ça, avec comme d'habitude une pastille violette avec marqué Goodie Box. C'est tout dans le raccord, n'est-ce pas? Hop, donc voilà. Et là, on a les produits tout simplement. Ah, donc voilà, on va commencer. Alors, on va commencer avec hop, ce petit produit. Donc, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est? Effectivement, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le mini roller Lash Curling et Lifting Mascara. Donc, en gros, c'est un mascara de chez Benefit. Donc, la brosse, je vous présente comme ceci. Vous voyez, elle est un tout petit peu, elle est un tout petit peu courbée comme ça. Voilà, je cherchais le mot, c'est courbé avec des petits picots comme ça. Donc ça, pour attraper les cils, ça doit être pas mal. Je vais le refermer parce que sinon, voilà, il va sécher. Mais vous voyez la forme du mascara. Donc là, vous avez. Et en fait, ça permet une bonne prise, ce caoutchouc-là. C'est pas mal. Et franchement, le packaging est plutôt original. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'ils nous disent pour ce petit mascara? Donc je vous montre rapidement. Vous voyez, là, vous avez le produit. Et après, vous avez tout ce qui est description, prix, etc. Donc ce produit coûte 4. Non, il est de 4 grammes. Oui, donc il est de 4 grammes. Il coûte 15 euros. Donc voilà. C'est un format de luxe. Ouais, donc eux ils disent format mini de luxe, mais bon, c'est une miniature quoi. Donc là, le prix de vente il est de 28 euros pour le full size qui est de 8,5 grammes, donc en gros la moitié. Donc, qu'est-ce qu'un bigoudi peut faire aux cheveux qu'un mascara ne pourrait faire aux cils? C'est la question que se sont posées les créateurs de chez Benefit avant de concevoir ce mascara super recourbant et volumateur, sa brosse Hook and Roll. Breveté comporte de minuscules picots, voilà, c'est ce que je vous disais, là, de tout petits picots, spécialement conçus pour recourber même les cils les plus droits et créer un regard séduisant. Sa formule enrichie en provitamine B5 et en sérine. Alors, je ne sais pas ce que c'est, je vous mettrai une définition ici. Instruisons-nous un petit peu. Connue pour ses bienfaits nourrissantes, tient jusqu'à 12 heures et est facile à nettoyer. Donc voilà. Donc comme je vous disais, vous voyez, là vous avez toute la liste des ingrédients, le descriptif et tout. Franchement, c'est très très bien fait. Et un petit mascara comme ça. Alors celui-là, je vous le mettrai peut-être dans le carton des concours parce que je vais pas l'utiliser. J'en ai déjà beaucoup. Mais c'est un très bon produit que je pense on aimera toutes beaucoup. Ensuite. Donc on a ensuite ce petit produit, je sais ce qui a coulé, enfin de base j'aurais pas dû savoir, mais vu que j'ai déjà fait cette vidéo et que en fait le son ne s'est pas enregistré, je vous la retourne, mais il y a un produit qui a coulé dans ma box, mais c'est pas grave. Donc là on a un deuxième produit de la marque Scone Skincare, comme ceci. Je connais pas du tout cette marque. Donc voilà, donc c'est le Repair Microbiome Night Cream. Donc en gros, c'est une crème de nuit qui coûte 65,75 €. Ah oui, quand même, c'est un full size. Ça coûte hyper cher. Donc en gros, rien qu'avec ça, la box est triple, voire quadruplement, je sais pas si ça se dit, remboursée. Donc voilà, ça vaut trop le coup. Donc appliquez cette crème de nuit juste avant de dormir, puis fermez les yeux. Oui, merci, oui. C'est un peu ce qu'on fait quand on dort, mais c'est pas grave. Et nous vous promettons qu'à votre réveil, votre peau sera aussi douce que dans un rêve. Son extrait d'olive apporte de la souplesse à votre peau et sa double fonction protectrice la maintient bien hydratée. Et la cerise sur le gâteau du peptide phencébiomètre. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, pareil, je vous le mettrai là. On va finir instruit à la fin de cette vidéo, je vous le dis. Vient renforcer le microbiome naturel de votre peau. En d'autres termes, les bactéries naturelles qui maintiennent votre peau hydratée augmentent en efficacité. Que rêver de mieux? Donc, oui, pourquoi pas écouter si ça marche vraiment, pourquoi pas. Donc, c'est à la vitamine Oméga 6-9 et c'est fabriqué où, ce petit produit? Au Danemark? Ah oui, c'est danois. Donc voilà, un premier produit danois et ça, je suis très contente. Ça permet de découvrir des produits d'autres pays et tout ça. Donc ça, je suis très très contente. Et c'est un format de 30 millilitres, donc full size et tout. Très très bien. Ça, je suis très contente. J'adore les crèmes de nuit. Donc ça va être utilisé. Puis 65 euros, je vous dis, ça vaut le coup. Alors c'est ce produit qui a coulé dans ma box. Donc c'est le Facial Spray with Aloe Herb and Rose Water. Donc de chez Mario Badescu. Donc
comme ceci. Donc cette marque, vous pouvez la retrouver chez Sephora. Donc là, on a un spray pour le visage avec de l'aloe vera, des herbes et de l'eau de rose, tout simplement. Donc là, on a reçu un format de 29 ml qui coûte 4,90 € et le full size est de 59 ml pour 6,90 €. Donc voilà, le produit phare de Mario Badescu, une brume rajeunissante infusée d'extraits d'herbes et de plantes comme l'aloe vera, le gardenia, la rose, le ficus et le thym. Des ingrédients qui aident à apaiser et à stimuler votre épiderme. Vaporisez-en sur votre visage, votre cou et même sur vos cheveux pour lui apporter une bonne dose d'hydratation. Vous pouvez l'appliquer avant ou après votre crème hydratante pour donner de l'éclat à votre peau lors de vos déplacements ou en tant que spray fixateur pour un maquillage à finition parfaite. Ah d'accord, je ne l'avais pas lu comme ça, mais moi j'utiliserai peut-être en lotion du coup. Ça sent assez bon, ça sent les fleurs, donc c'est assez fleuri. Et ouais, je sais pas, il doit avoir un défaut le mien parce que il y en a partout. Donc bah voilà, je l'utiliserai vite celui-ci avant qu'il m'en foute partout. Mais ouais. Ça c'est fait aux USA et c'est pour tout type de peau. Donc voilà un petit produit comme ça que je vais utiliser rapidement parce que bah, ça m'en fout partout quoi. C'est pas le but non plus. Ensuite, le quatrième produit. Dépêche-toi, Antonio Axu. Donc de la marque Antonio Axu. C'est un produit qui se présente comme ceci. Donc c'est un flacon. Shit, là, vaporisateur comme ça. Donc c'est un sea salt spray, donc c'est un spray d'eau de mer en gros. Oui, c'est ça, un spray de sel de mer plutôt. Un spray de sel de mer de la marque Antonio Axu. Alors, je connais pas du tout cette marque, je sais pas d'où ça vient. C'est un format de 20, c'est un format full size de 150 ml, je vais y arriver, qui coûte 20 €, donc c'est quand même pas donné. Et ça vient d'où exactement? De Suède. Ah bah c'est intéressant, vous voyez, des produits de Suède, ça permet de découvrir d'autres petits produits qu'on n'aurait pas forcément trouvé ou acheté dans le commerce, donc ça c'est cool. Donc pour la plupart d'entre nous, le beau temps et la plage ne sont pas encore au rendez-vous, mais rien ne vous empêche d'arborer un look d'été. Ce spray d'eau salée donnera de la texture et un air de vacances à vos cheveux. Il ne contient pas de sable, promis, mais que des ingrédients hydratants. Vous pouvez l'utiliser autant sur des cheveux mouillés que secs. Je ne sais pas l'effet qu'a le spray d'eau salée sur les cheveux. Donc écoutez, pourquoi pas tester. Si vous savez ce que c'est, les bienfaits du spray d'eau salée sur les cheveux, dites-le moi parce que j'en ai pas la moindre idée. Donc voilà un petit spray. Je ne sais pas si je testerai ou pas. Sinon, je le mettrai sur mon Vinted. Je vous remettrai mon Vinted en bas de l'écran et en barre d'infos, mais voilà, si vous savez, dites-le moi. Et le dernier produit, ça veut bien se dépêcher un petit peu. Oui, donc le dernier produit, donc c'est un full size également, c'est de la marque Karma Medu. Ça c'est du nom, Karma Medu, comme ceci. Donc là, on a le Star Micellar Water 02, donc il doit y avoir là un 01 du coup. Donc la valeur de ce produit coûte 22 €. Et en gros, c'est une eau micellaire, quoi. C'est un format de 200 ml. C'est une eau micellaire. Donc, la Star Micellaire Water 02 est une pépite de notre catalogue. Cette eau nettoyante 3 en 1 nettoie, tonifie et hydrate votre peau en douceur. Ah, mais c'est pas une eau micellaire. Formulée avec de l'aloe vera bio et de l'hydrolat d'orange amer bio, elle tonifie et apaise la peau tout en éliminant facilement les impuretés et le maquillage. À utiliser chez soi ou en déplacement, le rinçage est facultatif. Ça, déjà, ils le disent, c'est bien parce que pour moi, une eau micellaire se rince, hein. À chaque fois, après, vous faites comme vous voulez, mais moi, ça se rince, donc c'est bien qu'ils le rappellent quand même. Ce produit est vegan et c'est fait en Angleterre, donc c'est pas mal. Et voilà, en fait c'est une solution micellaire tout simplement. Moi je l'utilise pour parfaire le démaquillage, je l'utilise pas en démaquillant pur, mais ouais, ah, j'ai des fourmis dans les pieds, en parfaire de maquillage, ouais. Donc voilà, écoutez, on en a terminé, pardon, pour cette box. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je la trouve très très bien garnie pour ce mois-ci, pour une première. Ça laisse de la marge pour la suite. Franchement, très très bonne surprise pour cette box. À voir ce que ça donne pour la suite. Mais voilà, de belles découvertes. Ça, le spray d'eau salée, là, si vous savez, dites-le moi. Ça, très très bonne. Je connaissais pas du tout, donc très bien. Et puis ça, quoi,
Le prix de ce produit est un truc de fou. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette box. Moi, je la trouve très très bien. J'ai hâte de voir la prochaine. Et voilà, tout simplement, je vous mettrai peut-être ce petit produit dans le lot concours. Je verrai. Mais voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi, vous savez que je lis tout et que je réponds à tout. Et puis en plus, j'adore vous lire. Donc c'est l'occasion. Ou jamais, je ne sais pas s'il y a du parrainage ou pas chez Goodiebox. Si c'est le cas, je vous mettrai si j'ai un code comme d'habitude sur l'écran et en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et voilà, je vous ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner juste ici pour ne louper aucune de mes vidéos. N'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!